C'est fini, les gars. Ouais. Tu fais une interview sur le banc? Ouais, fantastique. Oui, on y est cette fois. T'as eu peur? Jean, fantastique. Eh ben attends, on est libéré. T'as eu peur pendant le match? Non, je crois que non. Il est vrai qu'il y a eu ces deux buts de marquer, mais je crois qu'on a eu la maîtrise complète du jeu et il y a eu deux buts qui ont été refusés. Mais ce soir, on a véritablement fait un match exemplaire. C'est la fin de... Comment est-ce qu'on a dit tout à l'heure, là, Jean-Séraphin, est-ce que vous arrivez à trouver les mots pour marquer votre joie ce soir? Non, je crois qu'il n'y a pas de qualificatif, mais bon, ce que je peux dire, c'est d'abord, c'est méritoire et mérité, parce que ça a été une saison très difficile, parce que d'une part, il a fallu lutter contre nos concurrents directs, à savoir Nîmes et Montpellier, que l'on a placé à 7 points. Ensuite, donc, la poussée des Verts avec tout ce que cela comporte. Et puis bien sûr, après ce match de Lyon, il a fallu réagir, gagner à 7. Et puis ce match final qui a été l'apothéose et où je crois que c'est réconfortant et c'est le bonheur des joueurs, des dirigeants, supporters et pour le club et pour les Niçois. Carlos Curbelo, vous aviez dit il n'y a pas trop longtemps, la deuxième division, je n'en veux plus. Alors ça y est, vous avez réussi dans votre tâche, monter en première, c'est fantastique pour vous. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un bon moment. Et je suis très, très heureux quoi, de pouvoir amener le GC Nice en première division après l'avoir fait descendre. C'est déjà quelque chose de très bien. Bon, c'est vrai qu'on ne réalise pas de suite, on est content, mais je ne sais pas. On était tellement habitués à cette deuxième division qu'on dirait qu'on ne la quitterait pas. Mais... Bon, Mario Nocentini, ça y est, vous sortez de l'enfer après 3 ans de purgatoire, si on peut dire, votre réaction à chaud. Ben, si on est en première division, puisque je parle à Radio B des Anges, c'est ce qu'il fallait dire. En Isarte. En Isarte, oui. Bien, vous avez cru jusqu'au bout là, monsieur Saint-Denis. Oui, vraiment, je n'ai jamais été inquiet. Après les deux buts, j'étais sûr qu'on allait passer. Bon,
Est-ce que si on pouvait résumer cette saison en quelques minutes, en quelques secondes Je crois qu'on s'est battu et que finalement on a eu le résultat de tous les efforts qu'ont fait les joueurs, l'entraîneur, les dirigeants, les supporters et tout l'OGC Nice. Et vous avez résisté à la pression des médias qui, il faut le dire, étaient plus spécialement axés sur Saint-Etienne. Je crois que de ce côté-là, on n'a pas été aidé, mais je dois dire ce soir, parce que je suis vraiment très heureux d'être en première division, j'ai pris le club en première division, il était important pour moi d'y revenir. Aujourd'hui, je dois vous dire que j'ai oublié Saint-Etienne, et si finalement, avec tout le mal que je peux leur souhaiter, c'est que je souhaiterais que les Verts montent avec nous. Alors voyez, je ne suis pas rancunier. Ils allaient les aiglons, accomplissaient mille merveilles.